Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts, je ne suis pas prête, personne n'est prêt pour cette vidéo. Pas pour les messages que j'ai reçus d'il y a plus d'un an ou un an, mais plus pour aller au fond des messages, pour retrouver les messages qui datent d'il y a un an. Parce que voilà, je n'ai jamais fait ça, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour arriver jusqu'au dernier message, vous inquiétez pas. Au montage, soit j'enlèverai une bonne partie, soit je mettrai un accéléré, soit je mettrai un petit peu d'accéléré, mais je ne montrerai pas tout, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais bah écoutez, on va pas tarder plus longtemps. Je fais cette vidéo assez tôt le matin parce que sinon en journée c'est pas possible. J'ai même peur en fait maintenant de scroller mes pages, le message et de en fait de tomber, enfin de crasher, que le jeu il crache avant que j'arrive au message qui date d'il y a un an. Donc j'ai relancé le jeu là pour être sûr qu'il tienne un maximum de temps. Je mets le mode anti-bug. Ah bah merci. J'ai mis le mode anti-bug et ben c'est parti pour l'accélérer, pour faire descendre mes messages jusqu'au 1 an. You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? Scene that keeps playing on repeat ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve, it won't fade until you. But I feel that it will come back. Oh, where does it come from? 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 Come from
et celles qui ont survécu à cet accéléré de messages. Voilà, pour vous récompenser, une petite carte cadeau, encore une fois, offerte par Soraya. Donc c'est la deuxième carte que Soraya m'a offerte, qui a, c'est l'équivalent de un mois StarVip. Voilà, un mois StarVip avec le code qui s'affiche à l'écran. Voilà, la première personne qui utilise ce code gagne un mois de StarVip sur le jeu. Je rappelle, c'est assez nouveau dans mes dernières vidéos. De temps en temps, en plein milieu d'une vidéo, au début, à la fin, peu importe, il peut que je vous mette une petite carte cadeau que là pour le moment c'est ce de Soraya. Voilà, donc normalement j'en ai plus de Soraya, la dernière je la garde pour un live de Soraya, mais du coup ce sera mes cartes cadeaux par la suite qui apparaîtront dans les vidéos. Donc bien sûr je mets pas dans chaque vidéo parce que sinon à la fin du mois je mange du pain et de l'eau. Du coup voilà. Et je le mets, je pense, une fois toutes les deux ou toutes les trois vidéos environ. Voilà, c'est très, ça peut être irrégulier. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ah, et n'oubliez pas d'aider, bien sûr, Soraya, l'ajouter, lui envoyer des petits autographes pour la remercier quand même de sa carte cadeau. Allez, là, je vous laisse, mais pour de vrai. Eh bien, écoutez, changement de programme. On s'est arrêté au 1 mois parce que je me suis dit que si je prends 20 minutes pour arriver au 1 mois et que je lag de plus en plus, j'arriverai jamais jusqu'au 1 an. Faudrait combien pour arriver au 1 an? Facile 3 heures je crois. Et encore, si j'ai de la chance et que ça ne me déconnecte pas. Du coup, on va s'arrêter au 1 mois. Par contre, si vous voulez quand même que je vous fasse une vidéo avec des messages qui datent d'il y a plus d'un an, vu qu'en ce moment, je suis en train de faire un tri au niveau de mes amis, et ben, il arrive des fois que je tombe sur des messages qui datent d'il y a plus d'un an, parce que je vérifie ça fait combien de temps qu'on s'est pas parlé, qu'elle m'a pas envoyé mes... ou qu'il m'a pas envoyé de message. Du coup, je peux tomber dessus. Mais du coup, écoutez, on va découvrir les messages qui datent d'il y a un mois, parce que là, si mon compte, il plante, je pète un plomb littéralement. Voilà, donc nous sommes actuellement sur le premier message qui date d'il y a un mois. Ça se fait, je vais me faire insulter dans certains messages, on verra bien. Coucou, ça va, je t'adore, bisous, s'il te plaît, fais-moi VIP, je regarde toutes tes vidéos, j'y t'aime 15 ans. Alors ça, c'est le quotidien des messages, et si vous m'envoyez ce genre de message, vous pouvez être sûr que je ne vous répondrai pas, en fait. Parce que je préfère prendre du temps à répondre à des gens qui n'essayent pas de gratter un VIP au premier message, voilà. Surtout qu'en plus de ça, vous le savez très bien, les seuls VIP que je donne, c'est en giveaway, etc. Et, ou en enchère sur les lives, etc. etc. Surtout qu'en plus, vu comment elle écrit, j'ai ce père que tu vas répondre. Voilà, et encore pire, le type de personne qui prétend se suicider alors que suicide, c'est un sujet très grave. Faut pas en parler comme ça pour gratter un VIP. Parce que déjà, si vous voulez mourir pour un VIP, c'est déjà, à la base, il y a un problème quand même. Bref, on va passer au message suivant. Voilà, j'espère qu'il y aura quand même de meilleurs messages parce que bon, hein, scroller des messages pendant 30 ans, pour moi, ce genre de message, c'est pas forcément cool. 15 ans, je sais que tu me répondras pas, mais bon, je voulais juste te dire que je t'adore, t'es ma youtubeuse MSP préférée, bref, je t'adore, change pas. Pourrais-tu m'accepter en ami un jour? Désolée du dérangement, bisous. Alors, on va aller voir si elle m'a demandé en ami, et on va lui envoyer un... Hop. Alors, je préfère pas lui en répondre au message, parce que j'ai peur que ça me remonte tout en haut au niveau des messages. Du coup, je vais pas répondre au message, je vais juste vous les lire et voir un petit peu ce que les gens... attends, on va lui envoyer un auto. Hop, je sais pas si d'ici un mois, vu qu'elle est niveau 4, est-ce qu'elle est encore active sur le game ou pas. Je pense pas, mais bon, dans le doute, je préfère quand même envoyer un petit autographe. Ensuite, des petits cadeaux, donc c'est Love Day 133. Alors, ici nous avons, hop, on remonte, enfin si on y arrive. Oh my god, 15 ans, je suis trop fan de toi, j'aimerais vraiment que, ça que tu m'acceptes en ami, ça serait trop mon rêve, je t'aime trop, continue à faire tes vidéos, t'es trop bonne. Dit comme ça, t'es trop bonne, c'est, voilà. On va plutôt dire genre je suis bonne pour faire des vidéos, hein. On est d'accord les gars? Ok, on envoie une demande d'invitation, désolé pour le téléphone. Ensuite... Merci Anoto, bon je peux pas encore en refaire mais merci beaucoup à toi Kawaii, Mathilde qui nous a offert un cadeau et un autographe, merci également. Ensuite Luna, vous voyez comment ça, ça ne veut même plus charger les personnages et tout, c'est trop chaud, je veux pas bugger, j'espère que je vais vraiment pas bugger. Alors, coucou Quinzel, j'ai remarqué que sur tablette il ne demande pas notre âge, pourquoi? Quinzel, je sais pas pourquoi mais sur mon compte il me demande pas mon âge, c'est bizarre. Alors sur tablette je pourrais pas vous répondre parce que je sais pas, moi j'utilise Movistar Planet uniquement sur le
sur le PC en fait quasiment. Les seules fois où je vais sur l'application, c'est pour offrir des cadeaux pour pas laguer. Et je fais rien d'autre en fait que ça. Du coup, je ne sais pas, mais en gros, pour l'âge, ça vous le demande qu'une seule fois. Et en fait, c'est censé vous le demander au moment où vous connectez sur votre compte, mais pas de suite en fait. C'est lorsque vous essayez de faire un truc social. Par exemple, vous voulez mettre un que fais-tu, vous voulez mettre une photo en ligne sur MSP. C'est à ce moment-là qu'ils vous disent oh, attention, pour faire cela, il faut que l'on connaisse ton âge. En gros, c'est ça. Donc voilà. Alors ensuite, nous avons un message d'Alexandra Puppy 12 qui nous a envoyé un auto. C'est super très gentil. C'est super très gentil. Salut Quinza, je suis fan de toi. Je sais que tu as pas le temps pour moi, mais tu es super. Je sais que c'est dur pour toi de me parler. Mon, c'est que tu me réponds, sinon je t'adore. Je pense que c'est mon rêve, c'est que tu me répondes, parce que ça c'est la phrase que je reçois très souvent, mais celle-là, elle ne me dérange pas du tout. Comparé aux demandes de VIP, celle-ci je la trouve trop mignonne. Les gens qui disent ouais c'est mon rêve que tu me répondes, c'est mignon quoi, c'est vraiment mignon. Écoute, merci beaucoup la planète Terre. Voilà, j'espère que tu verras cette vidéo. Et on passe au message de Roche 1, 2, 3. Coucou Kerza, je t'aime fort, j'espère passer sur YouTube, je t'aime fort. Plein, je pense, pleine, Pauline. c'est son prénom peut-être, Pauline. Ce serait bizarre mais Pauline peut-être. En tout cas, merci beaucoup pour ton message. Merci énormément, c'est super mignon. Ah, donc on a un message de User Cruel 12. Salut, tu vas bien? Je suis revenue. Tu sais, à mon avis, qui suis-je? Bref, voilà. C'est moi la plus connue des User Cruel. Pour une User Cruel, je suis vraiment désolée, mais je ne te connais pas. Message suivant. Alors, désolée si je spam, mais je t'adore, continue comme ça. Tu peux me demander ou m'accepter? Alors ça dépend, je vais voir tes premiers messages pour savoir si je vais te demander ou t'accepter. Allez, on remonte. On remonte tout en haut. Ouais, bravo pour ce... Non, pour l'instant, ces messages sont cool. Pour l'instant, ces messages sont cool. Non, on va l'accepter, elle m'a envoyé plein d'autos et tout. C'est super gentil. C'est super gentil. Hop, on va envoyer une demande. Voilà, voilà, parce que bon, accepter, ça va être compliqué parce que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Voilà, un petit auto pendant qu'on y est. Ensuite, Samantha. Alors, c'est fait, réponds-moi les looks que j'ai fait juste pour toi. Je t'aime. On va quand même répondre. Au pire, tant pis si ça remonte dans les messages. Non, ça a l'air de pas bugger. Ah, nous sommes actuellement dans une conversation à plusieurs. Alors, je vous avouerai, les conversations comme ça, je n'y réponds jamais. Je ne regarde même pas ce que c'est. Donc, on va passer directement au prochain. Parce que voilà, je préfère prendre le temps de répondre à vous, en fait, à ceux qui sont abonnés à la chaîne. Et pas forcément à ceux qui m'ont ajouté dans une conversation avec des personnes qui ne me connaissent pas. Moi, mon but, c'est pas de me faire de la pub auprès de ces gens-là ou quoi que ce soit. Je préfère prendre mon temps vraiment pour vous. Déjà que j'arrive pas à répondre aux messages, vous l'avez très bien vu, je vous l'ai dit régulièrement. D'ailleurs, comme vous avez vu, regardez tous les messages que j'ai reçus. C'est trop compliqué pour moi d'y répondre tous les jours. Ensuite, donc Axel. Ah, j'étais sur ton live, on m'a bloqué, mais pourquoi? J'ai fait quoi? Oh, je suis désolée, mais en gros, si vous êtes bloqué sur les lives, c'est que vous avez pas respecté le règlement. Alors, soit vous êtes bloqué uniquement pendant 5 minutes, c'est la petite sanction au cas où vous faites une petite erreur, ça arrive, c'est pas grave, au moins vous savez que vous avez fait une bêtise si vous êtes déjà banni pendant 5 minutes. Par contre, si vous avez été banni à vie, c'est soit que vous avez fait plusieurs conneries d'affilée et que vous avez pas compris la leçon, soit que vous avez fait une grosse connerie. Donc voilà, je vous invite à lire le petit règlement ou à faire attention au message des modérateurs qui le rappellent. Alors, chocolat au lait de fraise. Alors déjà, son look est assez chelou. Je pense qu'elle s'est fait pirater entre temps. Salut Quinza, c'était pour te dire bon live et je t'adore à mort, je suis trop fan de toi. Alors si tu pouvais me faire le plus beau cadeau que je n'ai jamais eu, c'est le drip STP, je t'embrasse fort. Alors vu comment tu es, je pense que tu t'es fait pirater. Chocolat au lait de fraise. Je sais pas, la pâte que fais-tu et tout. J'ai peur d'envoyer un drip et qu'il soit perdu. Ce serait dommage. Donc, je suis désolée, mais... voilà, je prends pas le risque. T'es trop belle. Réponse, s'il te plaît, je regarde toutes tes vidéos, je t'adore, je suis fan. Sois mon ami, s'il te plaît. Je passais sur une de tes vidéos, s'il te plaît. Alors bon, toi, t'as tout gagné, parce que déjà, d'une, tu passes dans la vidéo. Et de deux, bah, je vais t'envoyer une demande d'amitié. Voilà, voilà. Petite demande d'amitié. Chaton Mimi YouTube. Coucou Quinzel, je te kiffe trop, je serais trop content que tu m'acceptes. Je sais que tu vas pas répondre, mais tu peux m'accepter STP. Donc on va lui envoyer une demande.
ça veut bien ne pas laguer. Comprenez pourquoi c'est compliqué quand même. On va encore répondre à quelques petits messages, je pense au dernier message de la liste. Hey Kinza, tu es ma youtubeuse préférée, je t'aime, j'espère que tu me réponds même si c'est impossible. J'ai trop envie de passer dans ta vidéo, n'écoute pas les rageux qui te disent et c'est que des merdes, moi je jouerai à MSP, non mais c'est pas leur jeu, sinon je t'aime, bisous. Alors j'ai compris le message en général, donc merci beaucoup, on va lui faire un bisou. Et je sais pas si on est amis, mais en tout cas si on n'est pas amis, il faut absolument que je lui demande de l'être parce que son message il est super bien. Vous voyez, c'est ce genre de message quand je lis, tu vois, que ça me donne envie, tu vois, d'avoir ces personnes-là en amie. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Florencia 97310, salut Kinza, je suis toutes tes vidéos YouTube, elles sont cool. J'aimerais que tu m'acceptes comme amie. Bah merci beaucoup. Alors je vais demander. Par contre, faites attention parce qu'au niveau du trait des amis, j'avais dit que toutes les personnes que ça fait aller 2 mois qui m'ont pas donné de nouvelles ou quoi que ce soit. Après voilà, c'est pas parce que je vous réponds pas que faut pas me donner une petite nouvelle tous les 2 mois, genre un petit coucou, tu vois, genre dire je suis toujours active, je suis toujours sur MSP. Je vous demande pas de m'envoyer d'auto, je vous demande pas de m'envoyer des cadeaux, je vous demande juste de faire un petit coucou une fois tous les 2 mois pour que je puisse savoir que vous êtes encore active sur le jeu. Voilà. Histoire de un petit peu au niveau des tris d'amis, maintenant je ferai comme ça puisque maintenant ça va être peut-être un peu plus difficile au niveau est-ce que j'ai demandé parce que ça se fait, je me suis barrée, je ne l'ai même pas envoyé, mais en gros je vais être un peu plus difficile au niveau des demandes d'amis. Ce que je vais faire, c'est, bah, je vous l'ai déjà dit en live pour ceux qui étaient en live, qui étaient là au bon moment pour l'entendre, je le dis assez régulièrement, ouais j'ai demandé. Je dis assez régulièrement, mais en gros, j'accepterai uniquement les personnes que je vois régulièrement sous mes vidéos en commentaire ou sur les lives. Donc je suis désolée pour les personnes, la communauté silencieuse. Donc pour ceux qui ne savent pas, la communauté silencieuse, ce sont les personnes qui regardent les vidéos sans commenter ou qui regardent les lives sans tchatcher dans l'espace... du chat en fait, parce que du coup voilà, c'est un peu compliqué pour moi de savoir une personne qui est régulièrement là mais qui ne parle pas et d'une personne qui fait genre oui je suis là à tous tes lives mais tu me vois pas, ou je suis là à tous tes lives et tu m'as pas accepté. Je le vois, je vois les personnes qui parlent en fait, même les personnes qui viennent me dire oui je suis là à tous tes lives mais tu ne me réponds jamais, c'est pas possible. Si t'es là à tous mes lives et que tu parles régulièrement dans le chat, je te repère à coup sûr de toute manière, je le vois au bout d'un moment. Voilà, bon c'est sûr que c'est plus facile pour moi de reconnaître les personnes qui ont un avatar ou un pseudo particulier et qui parlent régulièrement, mais au bout d'un moment même ceux qui parlent un petit peu moins, je les reconnais quoi, je les reconnais. C'est sûr qu'au bout d'une semaine c'est encore un petit peu compliqué pour moi, mais au bout de quelques semaines forcément je, voilà, comprenez. Alors visage l'est en ami, chacun de tes vidéos sont toujours parfaites, continue comme ça, on va lui faire un bisou et on va aller voir le dernier message de la vidéo. De Mzelle Portugaise sur ta chaîne et je te trouve magnifique, son dernier message cognitif, oh my god, Kinzelle, tu dates. On va voir il me semble qu'on est en amie avec Mzelle Portugaise parce que j'avais une Portugaise dans mes amis justement, je ne sais plus si c'était toi ou pas, je vais aller vérifier quand même, je vais aller vérifier. Oui, on est amis, et bah ça va, j'ai pas une mémoire trop merdique pour cette vidéo. En tout cas, je vais arrêter cette vidéo là, parce que rien que le fait de rechercher tous ces messages, ça m'a mis énormément de temps. Si vous voulez un peu plus de vidéos où je réponds aux messages, n'hésitez pas. Pourquoi pas? Ah non, je viens d'avoir une idée de fou. C'est genre, je réponds aux messages des personnes, par exemple, qui ont les cheveux rouges là, tu vois, j'aurais été voir. Bon, c'est pas très gentil pour ceux qui n'ont pas les cheveux rouges, mais ça peut être rigolo, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao!